J'aime bien ce que j'ai vu. Bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le débrief de la victoire du Barça face à l'Athletic Club. Deux victoires en deux matchs avec beaucoup d'absents, beaucoup d'handicaps. On va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de choses à dire hein, par rapport à ce match. Franchement, beaucoup de choses à dire. Nico Williams... Mmm on va se focaliser sur le Barça d'accord parce que il y a beaucoup de choses encore une fois à dire par rapport au Barça euh, par rapport aux intentions de Flick les premiers messages que Flick veut véhiculer pour cette saison je pense qu'on peut déjà euh, diséquer pas mal de choses donc on va en parler durant cette vidéo non au Barça parce que la première chose que moi j'ai envie de dire à la fin de ce match, c'est que ça fait enfin plaisir de prendre du plaisir, tout simplement, à regarder son équipe jouer au football. Euh, ce soir, le score est 2 buts à 1. Vous savez, la saison dernière, même la saison d'avant, on a beaucoup parlé du fait que, voilà, le Barça des scores de, avec un but d'écart. On commençait même à compter le nombre de matchs d'affilée dans lesquels le Barça ne gagnait que par un but d'écart. Et ça commençait à saouler, on va pas se mentir. Et il y a des victoires avec un but d'écart dans lesquelles tu te dis. Ça, ah, c'était un match où tu aurais dû gagner 4-5-1, en fait. Facile. Ce soir, tu sors avec 2-1. Mais ce soir, tu aurais pu gagner ce match facile. 4-1. 5-1. Donc c'est rassurant et un peu inquiétant en même temps, parce qu'on avait déjà ces problèmes par le passé. Ce problème d'efficacité devant le but, ce problème de manque de réussite aussi, mais j'ai envie de dire que ce sont les débuts de Flick. C'est encore prometteur pour la suite, parce que je pense que cette équipe-là, elle est loin d'avoir atteint son plein potentiel. Il y a encore des titulaires qui vont revenir, je pense à Gavi qui, sera, qui pourrait être incorporé à ça, même à Frankie de Jong, je pense à tous ces joueurs-là, même à Araujo, tout ça. Euh, franchement, il y a du potentiel et on va parler d'un truc très négatif euh, par rapport à justement tous ces joueurs là absents. Daniel Mo Daniel Mo oui Daniel Mo Parlons des sujets qui fâchent vite fait avant de parler du positif du match parce que on va pas se mentir, on peut pas faire semblant en fait les amis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Oui, il y a victoire, oui notre équipe elle nous fait plaisir. Flic, il est en train de faire un boulot monstre malgré tout ce qu'il y a autour. Mais on va pas se mentir, la situation avec Daniel Mo c'est une honte en fait pour l'image du club. Et là, j'ai vu des personnes venir me dire Ouais, regardez, Nico Williams, il veut pas venir, la pression. Eh, hey, les gars, arrêtez. Arrêtez avec ces histoires-là. Là. On n'arrive pas à inscrire Daniel Mo en ayant fait partir Gundogan, en ayant fait partir Roque, en ayant fait partir. Il va falloir combien de départs pour que Daniel Mo soit inscrit Deux journées de championnat déjà manquées. Vous pensez que quel top joueur aujourd'hui dans cette ville là Venez le voir pour lui dire ah viens on te signe mais c'est pas sûr que tu puisses jouer peut-être les trois premières journées de ligue voire voir les deux premières journées de ligue c'est pas professionnel les gars on peut pas on peut pas continuer à faire ça à continuer à se comporter comme un club amateur et espérer que des joueurs de haut standing bah, veuillent nous rejoindre sans des garanties. Daniel Mo, il l'accepte parce que c'est un enfant du club. Il aime le club. Il a été formé au club. Ce ne sont pas tous les joueurs qui vont accepter ça. Et encore eux, on parle de joueurs de grande classe parfois. Donc non pour moi c'est la honte par rapport à la direction, par rapport à la gestion du club, par rapport à tout ce que la porte nous avait promis. C'est une honte. Je suis désolé. Je ne peux pas commencer ce débrief sans parler de ça. Ça c'est on regarde de l'autre côté Gundogan il vient d'être acheté acheté <laughs> on l'a offert de, je veux dire gratuitement à 6 mais encore, je vous ai dit, c'est moi mon problème avec Gundogan. C'est pas sportif, c'est pas parce que je suis déçu qu'il soit parti parce qu'au mitard on l'a vu au milieu. Il y a beaucoup de qualités. On va en parler d'ailleurs dans ce débrief. Mais c'est plus la manière, encore une fois. Mais je vais pas revenir dessus, essayer d'être de, négatif. Non, c'est pas le but. Je veux juste vous dire que voilà, lui, il est parti déjà. Il joue aujourd'hui avec City. Donc voilà, j'espère que Olmo sera là pour le prochain match parce que franchement pour l'image du club, pour les prochains joueurs qui voudront venir au Barça, tu leur dis que ah ben tu viens mais on ne pourra pas t'enregistrer et je pense pas que ça donne envie de venir. Donc euh, franchement, grave, grave problème financier encore et toujours. On nous a promis plein de choses qui ne sont pas encore tenues. Donc voilà, on va espérer que Olmo soit là. Parce que là, franchement, est... on est à la risée. On est à la risée de l'Europe tout simplement. On ferme la parenthèse, Daniel Mo, concentrons-nous sur le Barça. Et la vérité, lorsque j'ai vu le 11 de départ de Hansi Flick, je me suis dit <laughs> cette saison, en fait, je pense qu'on est parti pour euh, encaisser pas mal de buts. Mais je pense qu'on va aussi marquer pas mal de buts. Mais ça, j'avais dit avant même l'arrivée de Flick. Parce que c'est dans sa mentalité. Les coachs allemands, ils aiment ça. Ils aiment un jeu offensif. Quitte à mettre parfois 4, 5 offensifs dans le 11 et avoir une sorte de déséquilibre, ils veulent en fait tellement tuer l'adversaire que parfois tu peux être déséquilibré toi-même. Donc ce soir, moi, ça ne me surprend pas. La question que je me pose, c'est est-ce que je réussirais à partir avec toutes ces montagnes russes là? De me dire que à chaque match que le Barça va souvent subir aussi des occasions, même si je me dis qu'une fois que tout sera mis en place, je pense qu'il y aura moins d'occasions subies. Parce que oui, il y a eu de bonnes choses, de très bonnes choses durant ce match face à l'Athletic. Mais le Barça aurait pu aussi encaisser avant le but de Robert Lewandowski. On m'a parlé encore une fois de tout ça calmement. Parce que Robert Robert, il m'a fait plaisir ce soir. Ah, il m'a fait plaisir. Peut-être que je vais sortir Victor Hugo de mon chapeau. Ou bien c'est peut-être trop tôt. On va, on, va, on va attendre un peu, on va attendre un peu, parce qu'on le connaît, le Robert. On va commencer à dire, ah désolé Robert, pardon et tout, le match d'après, il va recommencer avec ses contrôles d'émeutiers, là, avec ses Timberlands. On va, on va patienter un peu avec Robert. Mais il a fait de bonnes choses, le ça, j'en va en parler. Et donc la première chose, l'une des premières choses que je voulais mettre en avant, c'est le nombre d'occasions créées, le volume d'occasions. Créé. Encore une fois, le Barça, ce soir, rentre avec un 4-1-5-1. Un Ça ne choque absolument personne. Il faudra vérifier le expected goals, le nombre d'occasions que le Barça aurait dû mettre au fond. Qui était attendu, en tout cas, je pense que le volume d'occasion était très très élevé parce que le, les deux poteaux de Lewandowski, même en fait, vous savez, Rafinha a fait un match pour moi stratosphérique. Mais au bout d'un moment, Rafinha, il a failli aussi me saouler. Je pense que ceux qui sont sur Twitter, ils ont capté ce que je veux dire par là. J'ai lâché un petit tweet que j'ai envie de faire supprimer. On n'a rien vu, on n'a rien vu. Est-ce que je veux dire par là, Rafinha, en fait, il y a une action où il se retrouve à 3 contre 1, limite. Mais monsieur, applique-toi, applique-toi, fais une passe, juste une passe. Bien dosé, Lewandowski se retrouve en face à face, d'autant plus que le chrono commençait à continuer à tourner. Le Barça n'arrivait pas à marquer malgré les occasions. Et l'athlétisme commençait encore plus à perdre du temps. Je me disais, ça y est, on va perdre des points comme ça, juste parce que on manque de réalisme, juste on manque de justesse dans le dernier geste. Et il force sa passe. Juste un manque d'application. En fait, parfois, Rafinha, j'ai l'impression que. Il, il, il joue sans, sans, en fait, sans, sans maîtriser certains gestes basiques. Euh, juste la conduite de balle, parfois tu te dis Ah ouais, waouh magnifique, il rentre en deux joueurs et il s'en sort. D'autres fois, une passe sur laquelle il doit juste s'appliquer, il la donne un peu trop fort et l'action elle est morte en fait. Alors que tu as juste besoin de t'appliquer un minimum de bien deux étapes pour créer une grosse occasion. Donc Rafinha, en fait, je le préfère vraiment partout, sauf dans la zone où il est censé faire la dernière passe parce que pas mal de fois même lorsque Ferran Torres faisait les appels, il était à contre-courant de la passe, il ne donnait pas le ballon au bon moment, peut-être un poil trop tard ou alors un poil trop tôt contre Valence notamment. Par contre, en dehors de ça, Rafinha, son activité, son volume, euh, même dans la création d'occasion aussi, il faut le dire, Rafinha. Pff, quel match Quel match Je me dis juste que si il a cette dernière passe Rafinha Laisse tomber le joueur de fou que ça peut devenir. De toute façon, je pense que cette saison Rafinha Flick va énormément l'utiliser parce que déjà il n'arrête pas de courir. Même là à la fin du match, je l'ai vérifier vous allez voir au stade, vous allez trouver que Rafinha est en train de courir partout, là, en train de chasser les gens dans les gradins, en train de dire ah, sortez, sortez, sortez. Parce que c'est lui, c'est Rafinha, il n'arrête jamais de courir. Le mec se permet de faire un petit pont dans sa propre surface de réparation, paf, paf, paf. Ah ouais, je dis ok, <laughs> il est en confiance, ça se voit qu'il est en confiance. Et je pense que lui, c'est typiquement le genre de joueur que Antiflick va kiffer. On, on le disait déjà, même avant l'arrivée de Flic. pour ceux qui se rappellent, lorsqu'on lorsqu sortait, euh, lorsque je sortais des vidéos pour parler de Raffina, des joueurs qu'il va falloir surveiller sous Flick, Fermin Lopez, Rafinha à la rentrée de Fermin Lopez aussi elle m'a fait plaisir parce que en fait ça ne me surprend pas Fermin Lopez je pense que sa carrière elle va aller comme ça et les flics va le kiffer. et un petit détail à la fin du match sur la petite bagarre comme ça vous, vous rappelez il y a quelques saisons en arrière lorsque euh, Anto se faisait victimiser par Alanium quand on jouait contre Retafé il y a qui qui allait euh, voir Antufati pour euh, le protéger de ses voyous là Personne C'est quoi qui peut le regarder se... Il le regardait se faire victimiser. Ce soir, tu vois Fermin Lopez, Kubarsi, il y a une faute sur lui. Il en rajoute, il ne la rajoute pas. On s'en fout. C'est la réaction du joueur de l'Atlétique qui vient euh, énerver Fermin et tous les autres joueurs du Barça. Tu vois qu'il y a une solidarité autour de cette équipe. Donc ça déjà, je pense que Flick a réussi à fédérer, à former un groupe, une équipe. Vraiment, des... ça se voit qu'ils font un... Et c'est ça aussi la force de cette équipe-là. Parce que même avec les absents, tu ne vois pas encore tous les problèmes qu'on voyait la saison dernière. Même si oui, il euh, y a eu des phases où tu sens que l'athlétique peut faire mal au Barça. Mais c'est encourageant pour la suite. Sincèrement, c'est encourageant pour la suite. L'ouverture du score de la Mini-Amal. Un peu de réussite, mais il y a du génie. Aujourd'hui, il a été un peu mieux que contre Valence, même s'il a encore un peu de mal, je trouve, dans les 1 contre 1. Mais je pense que ça va revenir, c'est un problème de rythme. On a vu Nico Williams ce soir. Après, Nico Williams, il a eu un os face à lui aujourd'hui. Jules Koundé l'a éteint. Il l'a éteint. Jules Koundé était partout. Franchement, je ne sais pas, c'est quoi. Donnez-moi juste un exemple de joueur durant ces dernières années qui est arrivé à Barcelone et qui a eu une progression aussi linéaire que Jules Koundé. Parce que chaque saison, a l'impression qu'il est encore plus fort. Je pense qu'il est même pas loin d'être peut-être l'homme du match, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont quand même fait un bon match, notamment Pedri dans le travail de l'ombre, dans ce double pivot là, euh, dans la sobriété. En fait, quelqu'un qui regarde ce match là, il voit Pedri, il va se dire, ouais, Pedri n'apporte pas grand chose sur le deuxième but déjà, c'est lui qui fait l'appel et déstabilise. Mais au-delà même de tout ça, la sérénité qu'il a à au pied, Pedri, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il peut être entouré de trois joueurs, je vous jure, au bout d'un moment, j'ai revu Iniesta. Sur la ligne de touche, là, celui qui me retrouve, celui si vous allez revoir l'action en deuxième période, sur la ligne de touche, un, un long double contact comme ça, qui euh, longe avec la ligne de touche comme ça, pour éliminer le défenseur, mais le mec, il voit que du feu. Il voit rien du tout. Ça m'a rappelé Iniesta contre l'Espagnol, pour ceux qui s'en rappellent, les anciens. Les anciens, les anciens. C'est pas, c'est vraiment pas si longtemps que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui se rappellent en tout cas de l'action. Bref, euh, Pedri, gros match de sa part. Marc Bernal pour une première à domicile. Là encore, face à un adversaire, Corias. Après avoir déjà joué titulaire face à Valence, Cassado est sorti du 11. Pas lui. Là encore, c'est un message que Flick envoie. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, ouais, mais regarde aussi les options qu'il y a au milieu, c'est un peu normal qu'il soit là. Mais Cassado était son capitaine déjà la saison dernière lorsqu'ils étaient en B. On aurait très bien pu avoir Cassado titulaire ce soir à la place de Marc Bernal. Cassado est largement plus expérimenté que lui, euh, il a beaucoup plus de leadership que lui. Et non, c'est Bernal pardon, qui commence. Et Bernal qui fait un match plutôt rassurant, une fois de plus, à 17. En, en fait, je, ne, je pense qu'on ne se rend pas compte de la folie que c'est à ce poste-là, au poste de numéro 6, avec la sérénité avec laquelle il joue. C'est encore plus impressionnant pour moi qu'un Nélier. Parce qu'un Nellier, vous savez, tu peux perdre un ballon, la mini mal, c'est précoce, c'est fort, hein, c'est précoce. Tu peux perdre un ballon, faire un mauvais match, ça passe. Lorsque tu es 6 à ce poste-là, le moindre ballon perdu, c'est danger pour ton équipe. Et on se rend pas compte de la folie que c'est à cet âge-là de réaliser ce qu'il réalise en fait, Bernal. Parce qu'on l'a vu contre Monaco, une simple erreur, il offre un but à l'adversaire. Donc franchement, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il réalise ce gamin-là, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Comment ne pas parler aussi de Monsieur Robert Lewandowski? Par séquence, il est encore frustrant, mais franchement, dans l'apport qu'il a, dans même dans ses décrochages, maintenant, il est beaucoup plus intéressant. Mais ça, c'est parce que le jeu le demande. Aujourd'hui, même lorsqu'il décroche, ce n'est pas pour forcément juste garder le ballon, c'est aussi pour donner des solutions, offrir des solutions, pour aérer le jeu, pour jouer parfois en une touche, en remise, pour servir de point d'appui, tout simplement. Il n'a pas eu de réussite, il a touché le poteau, je pense, deux fois. Euh, au bout d'un an, je pense qu'il a été un peu euh, égoïste, mais ça c'est le neuf. On va pas lui en vouloir. Il est parti là sur de bonnes bases, trois buts en deux journées de championnat. Je ne sais pas si Flick lui a donné une petite piqûre. Ben c'est largement différent de ce qu'on voyait la grande majorité de la saison dernière avec Lewandowski. Donc on va espérer qu'il continue comme ça. Donc voilà, globalement assez satisfait par rapport à ce que j'ai vu, le pénau que le Barça concède. Je pense que voilà, Coubarcy -Si, il n'est pas encore à 100%. Euh, Revenu des JO, même, même, même lors des JO, hein, il commençait un peu à, à sortir un peu de ses matchs, mais il a 17 piges, Kubarsi. Kubarsi, il va en faire hein, des matchs arrêtés, Kubarsi. Il va faire des erreurs, mais il glisse. En fait, le terrain aussi, il faut en parler, parce que les terrains, c'est pas que là, au, au niveau du Montjuïc, mais je pense que les, tous les matchs que j'ai regardés, que ce soit Villarreal, euh, que ce soit Le Betty, en fait, il y a beaucoup de terrains, tu as l'impression que soit c'est beaucoup trop arrosé, ou la qualité de la pelouse, elle est bizarre. Mallorca lorsque le Real jouait la dernière fois, assez bizarre quand même. Donc, donc, Baldé qui glisse et Koubarsi derrière aussi qui crée le pénal. Voilà, ce sont des erreurs de jeunesse. Voilà, on sait que ça peut arriver, surtout lorsque tu as un effectif aussi jeune. Euh, mais c'est le prix à payer. Christensen est blessé, Araro est blessé. Euh, voilà, donc on va faire avec et espérons qu'il y ait moins d'erreurs lors des prochains matchs et qu'il y ait plus de réalisme devant le but. Parce que c'est ça qui a fait mal aussi au Barça l'année dernière, même avec Xavi si tu ne réussis pas à tuer tes adversaires lorsque tu mènes au score ben bah, tu vas finir par te faire rejoindre comme ce soir donc euh, va falloir quand même réussir à être beaucoup plus létal euh, devant et pour le reste encore une fois ça me rassure pas d'enflammade encore mais juste de voir le Barça vouloir aller marquer un troisième but ne pas relâcher le pressing en fin de match même lorsque tu mènes au score ne pas avoir cette volonté là de subir d'attendre la surface à dégager en catastrophe à chaque fois ça aussi c'est rassurant on va pas se mentir parce que pas mal de fois à la saison Dernière, lorsque le Barça menait un but d'avance, on savait tous, on connaissait tous le scénario. On savait qu'ils allaient tous euh, venir devant Ter Stegen, à former deux lignes de 5, deux lignes de 4 et tout. Mais là, c'est rassurant. J'espère que ça va continuer comme ça. Les intentions de flics sont très, très, très offensives. Et je pense que lorsque cette équipe va commencer à bien tourner, on verra pas mal, pas mal de buts. C'est une équipe là, là, qui a le potentiel de mettre au moins trois buts par match. Je ne sais pas si on en sera autant, mais je sais qu'elle en mettra. Parce que il y a encore une fois des signes très positif pour les prochaines semaines voire les prochains mois. Espérant que ça continue comme ça, le Real Madrid joue demain. On va débriefer ce match-là. J'espère que vous serez là. On va essayer de débriefer encore une fois beaucoup plus de matchs euh, cette saison les amis que ce soit le Real Madrid, que ce soit les gros matchs de Premier League, etc., etc. Et je compte sur vous pour me donner de la force parce que, voilà, on en a besoin. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, c'est qui votre homme du match? Je ne vous ai pas posé la question, c'est qui votre homme du match? On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo d'ici là. Comme vous le savez, prenez tout soin de vous et à très vite.